popote. Elle mijote, se gargarise avec volupté. Entre les pages, quelquefois, il en ressort des vapeurs de mots. Au fin fond de son âtre, au milieu de ce merveilleux bouillot, on y voit l'apparition. L'apparition. Du mot. Liberté. Non, non, stop! Ah, ce vertigineux. Vertigineux. Étale de mots, nous reviendrons demain. Une grosse perle blanche. La perle, ainsi secouée. Éveillez-vous. Se consacra passionnément et secrètement à son rêve d'enfant. Et demeura suspendu sa vie durant. Yenawe, Nimawi ene, Yenawe. Le désert. Rien. Nib. Que dalle. Pas l'ombre d'une ouverture. D'une palpitation. D'un rayon de soleil, d'une étincelle. D'une brillance.
d'une fulgurance, d'un coup de foudre. Ainsi soit-il, se disait-elle. Ne sachant où donner de la tête, semi-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 
De tergiverser. Toujours. Au-delà de cette envie, de cette folie de vie, il faut que je lui avoue que sera pour la vie. Se sentir indépendant. C'est chouette. Oh, c'est chouette. Croire ne plus être une marionnette. C'est chouette. Penser ne plus devoir se les farcir. C'est chouette. Pouvoir enfin s'autoriser à rire. Ah, c'est chouette. Soudain, sentir la vie telle une tornade sourdre sans frein en une belle cascade. C'est chouette! Marionnette a ça, non. Je vous le répète, je suis indépendant. C'est chouette. Maintenant, ça s'arrête. La tornade emporte tout. Même la confiture. Je n'en ai plus besoin, ni de la voiture. Ça vous paraît soudain? Moi, je me trouve patient. Il m'a presque fallu 50 ans. C'est bientôt carême? Et alors? Et bon, les gars, j'ai pas fini, moi. Ces poivrons. Je vais me les farcir après les avoir fait revenir dans le beurre. Je vais me délecter de leur saveur. Soudain, je suis libre, telle une marionnette à laquelle une violente tornade aurait arraché ses fils. Je suis indépendant. C'est chouette!